Déplacer des containers dans un port virtuel entièrement reconstitué. Sébastien, un des pionniers d'Acréos, nous fait une petite démonstration à bord d'un simulateur nouvelle génération, quasiment intégralement fabriqué ici en Moselle. La start-up commercialise depuis fin 2011 des merveilles de technologie pour apprendre à conduire des engins de chantier avec un réalisme saisissant. C'est un des objectifs initiaux, c'est d'arriver à reproduire ce ressenti de hauteur, le ressenti au niveau du dynamique, de la dynamique de la machine, pour apprendre en fait aux stagiaires à se retrouver dans des situations qu'il retrouvera plus tard dans le monde professionnel. Donc le virtuel se rapproche vraiment très très précisément de la réalité de la machine, ce qui est un aspect très élément de l'apprentissage par la simulation. Une simulation en format 4K, une absence de sensation de mal de mer que l'on retrouve parfois sur des simulateurs. Acréos se démarque par son savoir-faire technologique. Seule start-up française sur ce marché, elle vend ses produits aux centres de formation d'apprentis ou à de grandes sociétés de 34 pays. Ce sont de très grandes entreprises, françaises ou étrangères, qui ont leur propre activité de formation et qui, elles-mêmes en interne, vont avoir des besoins en formation d'opérateurs. Quand une mine s'ouvre en Afrique, elle a besoin de former les conducteurs des différents engins. Et donc ces gens vont chercher à s'équiper de solutions pédagogiques innovantes et performantes. En janvier, Acréos sera présent à Las Vegas au Salon mondial high-tech grand public, non pas pour exposer, mais pour repérer des technologies naissantes utiles pour améliorer.